Bonsoir mon bon Sillon Team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me trouve au Mood Restaurant Bar qui se trouve au 145 rue Marcel Merieux dans le 7e arrondissement de Lyon. Donc venez-y, on y est vraiment très bien accueillis. Donc je remercie encore toute la direction de ce restaurant. Sachez que le vendredi soir il y a aussi les patines hein, avec des DJ, de la musique délicieuse, bien groovy comme vous les aimez. Donc au Mood Bar, venez-y nombreux. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, un mois de mars, ce moment sillon dédié à la house music, hein, on a reçu déjà Nick V. Et déjà, par rapport à l'interview de Nick V, je le remercie du fond du cœur hein, pour ce beau moment de discussion partagée avec lui. Et je vous remercie, vous, surtout pour vos messages hein, que vous m'avez gentiment écrit sur YouTube. Merci du fond du cœur, ça m'a beaucoup touché. Vraiment, vraiment, merci. Alors bien sûr, je rappelle un peu la règle. N'oubliez pas de vous abonner sur mon grand sillon, hein, parce que c'est la règle d'or. Ça permet en fait de dynamiser cette chaîne bien sûr dédiée aux musiques underground et particulièrement à la house music, comme je vous l'ai dit. Alors, je défends autant des artistes, je veux dire, qui ont vécu de ce milieu ou qui vivent encore de ce milieu électronique, mais aussi des passionnés artisans, DJ, qu'on a déjà reçu déjà au préalable dans mon sillon. Donc je tiens à saluer les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un amoureux de house music qui était à la tête d'un club jusqu'en 2022-23, d'un club qui est très important en termes régional, en termes national et qui a aussi une résonance internationale. Avec lui, on va retracer son parcours de vie musicale pour comprendre comment de passionné de house, on devient un gérant d'un club intimiste avec une résonance internationale. Je pourrais vous faire une liste de tous les guests qui sont venus jouer dans ce club, mais il nous faudrait plus d'une heure. Mais par la présence de Jean-Philippe, salut Jean-Philippe, salut. qui a vraiment accepté mon invitation, avec toi on va retracer déjà ton parcours musical de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, mais aussi c'est ça qui m'excite aussi de soi là, c'est comment un garçon qui aime quand même d'abord les musiques populaires, ensuite est rentré dans la dance par l'eurodance et s'est intéressé à la house music, comment tu es arrivé à apprendre en gérance un club incroyable qui aura une résonance de fou. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, vraiment. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors, bon, on va commencer. Hein. Donc, j'aime bien dans mon sillon, tu sais, commencer par l'enfance et l'adolescence. Alors, comment toi, la musique, elle est venue à toi? Bah, la musique, elle est venue à moi tout simplement en la découvrant. Ouais. Et notamment, il y a des fois, il y a des morceaux qui nous marquent. Bien sûr. Et en 91, quand je suis sorti la première fois en boîte de nuit, il y avait une boîte de nuit sur la côte qui était où c'était bon bah c'était pas bien cher à l'époque, c'était 25 francs d'entrée avec une conso. Et vu que j'étais jeune, je buvais pas d'alcool. Et en fait j'entendais un morceau que le DJ passait souvent et qui m'avait marqué. Et il s'avère que c'était un Steve Sycorley, ouais. En fait un remix de Pasadenas. C'est sûr. Et à l'époque c'était des sons assez down tempo, hein, oui. un peu comme les sons Def Mix. C'est ça. Et voilà, c'était la connaissance avec Steve Sycorley qui est un DJ, un producteur talentueux, hein, qui a commencé avec Jim Sack. Et qui a fait un tube qui était incroyable, Shadow of Your Love, plus plein d'autres. Et voilà quoi, ça a commencé comme ça. Bon après je l'ai pas j'ai pas pu l'identifier tout de suite parce qu'à bon à l'époque il n'y avait pas Shazam. Donc mais après quand j'ai commencé à chiner les disques et tout, j'ai surtout en écoutant aussi l'album de Pasadenas, il y a l'original dedans, exactement. Donc il se reconnaît facilement et c'est là que... Là, je vais apporter une petite notification hein, de ce que tu dis. Si vous prenez le maxi, donc le Pasadenas, c'est le I'm Doing Fine Now, remixé par Sycorley, et bien sûr East Move. Il y a deux remises de Sycorley qui nous tuerie et deux remises de East Move déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu aimes dans cette musique, parce que je sais qu'avant d'arriver à ces remises de fou, tu m'as dit que tu es passé aussi par l'eurodance. Ouais, bien sûr. L'eurodance, c'était important. Après, je veux dire,
faut pas s'en cacher. Hein. Mmh. Je veux dire, la personne qui prétend dire qu'il est arrivé direct à la musique underground et tout, c'est un peu. Non, faut pas se mentir. Mmh. En fait, l'oreille, c'est un peu comme un muscle. Ouais. Quand on fait du sport, ça se travaille. Et c'est après. En écoutant des artistes, en côtoyant d'autres DJ, qu'on arrive à trouver son son, quoi. Bien sûr. Son son et sa couleur. Mm-hmm. Et en fait, il y a eu, dans ma vie, il y a eu des rencontres comme ça, où c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé un peu à faire de la sonomobile, on était Eurodance, toutes ces choses-là, quoi. Encore, c'est vrai qu'il y avait, contrairement à ces dernières années, même si c'était un peu de l'Eurodance, c'était quand même encore bien fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tubes qui sont encore là. Voilà. C'est pas des choses que tu peux dire avec du guetta ou aujourd'hui c'est vraiment du produit de consommation. Mmh. Hop, les gars ils vont jouer une saison, après ça passe à la poubelle et encore voilà, ça disparaît. Il y avait vraiment des tubes et puis il y avait quand même encore il y avait du groove, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait voilà, soit généralement il y avait un super un super chanteur ou chanteuse derrière, et puis voilà, c'était après en écoutant d'autres artistes, comme je disais, j'ai trouvé en fait ma voix, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes déjà dans cette Eurodance, parce que c'est vraiment des tu peux parler de Tune Limited par exemple, Get Ready for This, hein. Ouais. Qu'est-ce qui tout de suite dans ton oreille va dire je suis attiré par ce genre de construction musicale, en fait? En fait, c'est le son. En fait. Ouais. C'est le son. C'est comme quand t'es petit, que t'écoutes une chanson. Alors, je me rappelle des choses que ma mère disait. Ouais, mais pourquoi ils aiment ces chansons en anglais? Ils comprennent rien. Alors, c'est vrai que je vais pas dire que les Français ils parlaient tous anglais dans les années 80. C'est sûr que non. C'est mieux aujourd'hui, mais en fait, c'est la musique, quoi. Ouais. Même si on comprenait pas les paroles, c'est le groove, quoi. C'est ça. C'est le soit le rythme il est entraînant, soit la chanson elle est entraînante. Enfin, les paroles, même si on les comprend pas, elles sont l'air est entraînant, quoi. Bien sûr, c'est dans ça. Comme ce que chantait, c'est ce qu'expliquait Dennis Ferrer quand il a fait son morceau Hey Hey. Hey, hey. Ouais. En fait, exactement. Il a commencé à le faire et en fait, il y avait sa nièce qui était là, un enfant de 10 ans et tout. Et elle a pas arrêté de faire Hey 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 Hey. Et du coup, il s'est dit oh là là. Dimitri, intéressant. Il a dit oula, ça va peut-être être un tube, quoi. Mm. Et du coup, ça a été un tube, quoi. Ouais. Et c'est la musique, la sonorité, le groove du truc, quoi. Bien sûr. Entraînant, le petit truc qui fait que ça prend. Alors, moment si intime, je voudrais qu'on revienne sur l'Eurodance, parce que l'Eurodance, même pour moi, c'était aussi, comme Jean-Fils, moi, c'était aussi important, parce que dans cette Eurodance, il y a des morceaux qui viennent de l'underground, qui vont toucher les charts. Alors, pour vraiment, quelques morceaux, hein, moi, j'étais très attiré par Chris Waters, hein, par Robin S, Inner City, les Big Fun, les Good Life, et Joey Smooth, des morceaux comme ça, qui en fait, ont été faits dans un petit studio, on va dire, à la maison, et qui arrivent à toucher les charts, et même des charts européens. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'a pas encore notion de d'où vient cette musique, quels sont les producteurs, l'ingénierie de cette musique, comment elle est faite, le terme house music. Après, il y avait beaucoup de trucs qui venaient d'Allemagne. Oui, c'est sûr. Très bien. Il y avait beaucoup de productions. Bass Bumper. Snap. Snap, c'est notre musique. Et après, il y avait beaucoup de trucs qui venaient d'Italie. Oui, exactement. Il y avait beaucoup de trucs d'Italie. Ouais. Et voilà, quoi. C'était une époque. Après, bon, ça c'est un peu. Le truc, c'est comme tout style ou mouvement. Mm-hmm. Le problème, c'est que dès que ça commence à être. Les gens s'aperçoivent. C'est pour ça que je sais pas si tu as vu le fabuleux reportage qu'il y avait sur Disco, là, sur Arte. Oui, j'ai vu, ouais, en deux parties. Trois parties. En trois parties, ouais. En trois parties. Ouais. C'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, au début, le disco, c'était, c'était underground et tout. C'est ça. Et du moment où les gens, ils ont dit, ça commence à faire du monde, à se vendre. Ouais. Ils ont commencé, les mecs, à faire tous du son, du disco un peu.
les mêmes, la même rythmique, les mêmes sons. Les ingrédients. Et puis ça, c'est là que ça commence à se dégrader. Mais sur le début, moi perso, hein, je trouve que sur le début de l'Eurodance, si on peut dire ça, où c'était vraiment intéressant. Puis il y avait toujours cette inspiration de la funk ou du disco, un peu. L'air de grosses basses. C'est sûr. Et puis. Bien souvent, il y avait en vocal, il y avait des sacrés artistes, quoi. Bien sûr, tout à fait. Des chanteurs qui viennent sur la hausse après un quotidien. Et voilà quoi. Surtout qu'en plus, le disco, c'est l'événement où on met la caisse en avant. Ça y est, boum. Autant le jazz funk, c'est plutôt l'harmonie des claviers. Alors que là, le disco arrive, c'est le pied en avant. Ouais, c'est ça. C'est la grosse caisse. La grosse caisse qui arrive et qui déjà donne une grosse dynamique. Alors. Là, tu me parles en fait d'un club à Lyon, 91 déjà, première soirée au Titan. Alors, pour expliquer le Titan pour les non-lyonnais, le Titan, c'est une discothèque qui se trouve sur les hauteurs de Lyon, une énorme discothèque avec un son à l'époque incroyable. Il y avait même le show laser qu'on attendait tous. Et surtout, Laurent Garnier a fait aussi ses armes dans cette discothèque à l'époque. Et toi, en 91, dis-moi ce que tu ressens dans cette discothèque. Qu'est-ce que tu aimes dans cette discothèque? Déjà, moi, je suis originaire de Couzon-de-Mondor. Ah, alors, moi, le truc qui me fascinait quand j'étais petit, c'est le laser qui traversait, l'horizon, en fait. Et à l'époque, parce que c'était une boîte mythique, mais c'était une boîte qui avait des années. Hein, et donc, à l'époque, c'était le Panorama. Et le Panorama, la plupart des gens, les parents, allaient là-bas. Il y a eu beaucoup de rencontres de couples qui sont formés là-bas. Et y avait ce fameux laser qui traversait la ville. La ville, enfin, l'horizon. Après, tous les gens qui voulaient y aller à l'époque, ils suivaient le laser et puis on montait dans la colline pour y aller. Ouais. Et puis le truc qui était incroyable, c'est un grand lieu haut de plafond avec un gros son, une régie, une soucoupe volante. C'est ça, qui se monte. Une soucoupe qui montait. Ouais. Le laser, après, le laser à l'intérieur, c'était les premiers à avoir, je crois, un laser comme ça, vert, qui faisait des cônes, des images de fou. Ouais. C'était incroyable, quoi. Charlie B, qu'on salue. Ouais, Charlie. Et c'était... c'est donon. Quand j'ai mis les pieds là-bas, j'étais avec ma cousine, et du coup, quand j'ai été là-bas, c'est vrai que je suis arrivé, c'est le choc, quoi. Mm-hmm. J'étais jeune, donc tout est grand. Oui, le son. C'est le son. Et puis, après, c'était... c'était bien parce que c'était assez au niveau de la sélection musicale, il y avait de tout. Bien sûr. De tout. Oui. C'est-à-dire autant du rock, de la funk, que de l'eurodance, de la new wave. C'était assez varié. Alors, moi, je te rejoins sur ce que tu dis, c'est important, c'est qu'en 91, moi je sortais aussi un peu au Titan puis au César Palace. C'est-à-dire qu'on avait des séries. C'était pas comme aujourd'hui, que de l'électronique. On avait des séries, même des slows encore en 91. Ouais, il y avait des slows. Du funk, des sessions de funk de fou. L'eurodance qui arrivait aussi, c'était très diversifié. Ça bougeait en fait à l'époque. Hein, vraiment. Et puis comme tu dis, je suis d'accord avec toi sur notre culture, notre génération. On a eu la chance d'avoir une panel de sons assez large. Oh, c'était vaste. On n'était pas concentré que sur le hip-hop ou que sur l'électronique. On avait... On va dire que ce qui était bien, c'est qu'il y en avait pour tout le monde. Quoi. Exactement. Il y en avait pour tout le monde. Et puis, non seulement il y en avait pour tout le monde, mais ça variait, ça variait les plaisirs, parce que si on aimait plus le rock, peut-être que la personne qui aimait le rock, il pouvait kiffer un peu le funk, il pouvait kiffer la new wave, qui est un peu tout à fait. Qui est un peu dans le style. 92, tu descends un petit peu, Albigny-sur-Saône, et tu vas au Moulin Rouge. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette aussi discothèque importante aussi à Lyon? Parce qu'elle a même été... elle a fait partie d'avoir aidé un peu ce mouvement rêve, parce qu'il y a eu des sacrées soirées techno à l'époque, mais c'est un peu plus tard. Un peu plus tard. En 95. 15, voilà. Mais toi, en 91, qu'est-ce qui te plaît dans ce club, en fait, Moulin Rouge? Pareil, c'est un club qui est grand. Ouais. Et puis, où il y avait un gros son, parce que c'était du Nexo. Du Nexo en satellite et tout, gros son. Et puis, à l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Il y avait des grosses régies qui mettaient vraiment en avant les DJ, les artistes. Bien sûr.
Et puis bah voilà, c'était un lieu aussi qui était connu, qui est un lieu ancien où bon, au début il y avait un orchestre, je crois que c'était au Moulin Club. Et c'est un endroit aussi qui avait reçu pas mal d'artistes. Des artistes disco italiens, des lives Nick Kamen, ouais. Plein d'autres. Ouais. J'en passe quoi, j'ai pas. Les stars des années 80, ouais, exactement. Ouais, c'est pas grave. Et c'était un lieu aussi mythique, ouais. Ouais. Un lieu mythique. Et après, la différence du Titan, c'est que c'est vrai que le Moulin, c'était plus. Même si c'était grand, ça faisait plus intimiste. Bien sûr. Moins ouais. Personnel. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et puis après, bah, en y allant, même si c'était grand, on arrivait toujours à se retrouver, ouais. à retrouver des gens. Bien sûr. Et voilà quoi, non, ouais. C'était. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis plus resté sur le Moulin Rouge que le Titan. Alors, est-ce une petite question, est-ce que tu t'intéresses? Et puis, il y avait un sacré DJ. Oui. Je crois qu'il est revenu en 93, Masterflow. Masterflow, tu en parleras après dans le magazine Disque, entre autres, on va en parler. Mais est-ce que tu jettes un peu la technique, les platines, le DJ? Est-ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe derrière cette musique? Alors, ouais. le truc de fou, c'est que. Ouais. J'étais pas danseur. Wow. Et donc, ce qu'on faisait, des fois, on passait des soirées à regarder quand on allait au Titan. Ouais. Notamment, on passait des soirées à voir Patangulo, ouais, franchement. Qui était le résident là-bas. Ouais. Et on restait comme ça à regarder la technique. Ouais. Puis bon, là, c'était incroyable. Quoi, la régie, il y avait du matos. Il n'y avait pas de contrôleur. Il y avait. Il y avait 4 platines vinyle, une grosse régie, c'était un truc de fou quoi. Ouais. C'était voilà quoi, c'était plein de boutons partout. C'est ça. c'était un truc de fou. Hein. Alors, on parle de Patangulo dans l'interview de Rocco, hein. C'est important. Donc si vous voulez avoir un petit profil de ce grand DJ qui a été très important dans ces belles années, vous aurez des renseignements. Écoute, je voudrais qu'on vienne un peu sur ta playlist, parce que c'est une playlist, comme on dit, très diversifiée et très 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 intéressante. Alors déjà, tu me dis le dernier slow de Joe Dassin, un morceau qui est vraiment moi qui disco, exactement. Disco, ouais. La mélancolie, puis Joe Dassin, en fait, en France, franchement, il tenait quand même la route sur le pavé du disco, hein. À la française, bien sûr, mais il y avait quand même quelque chose. Ce morceau, il est. De toute façon, il est complètement. Enfin, il est disco. Hein. Ouais. Et à la fin, il y a un solo de. Un espèce de solo de synthé qui monte un peu, comme un peu à Fespina sur Space Rider et tout. Et c'est un bon morceau. Hein. Exactement. Ouais. Mais bien sûr, In Deep, Last Night, DJ Save My Life. Hein. Alors, ça, ce morceau. Ouais. Alors, In Deep, c'est un morceau qui m'a marqué parce qu'il passait à la radio. Ouais. Il passait à la radio et puis c'est un morceau qui est entraînant. Quoi. Ouais. Faut pas dire que déjà le groove. Le groove, c'est un truc de dingue. La rythmique, le clap, c'est. Puis la voix. D'ailleurs, on pensait que le gars qui parle dans le break, c'était un black. Et non, c'est un blanc avec une barbe. Ouais. Un truc de fou, quoi. Alors derrière ça, il y a Tony Humphries, hein, qui se soulève la séance de ce groupe. Un truc de fou. Innocent, tu vois. Alors ça, pareil, ce morceau, I Need Tonight. Ouais. En fait, je ne sais pas comment le caser. Innocent, c'est plutôt un groupe, on va dire, bon, australien. Ouais. Il mélangeait un bas de rock, un peu, comme tu dis, un peu. Il y a un côté funk. Il y a du groove. Et ce morceau, il est terrible. La version. Je ne sais pas si tu connais la version Maxime, elle est incroyable. Ah non, j'ai pas. Non, tiens. Elle dure. La longue version, Elle dure, je crois, 12 minutes, un truc comme ça. C'est un peu un dub, non, je crois. C'est ça. C'est un peu. Énorme. C'est énorme. Ouais, franchement. Ouais. Et ensuite, tu continues avec Madonna, Into the Groove et Holiday. Je pense que là, c'est. Oh, yo, ça se fait mal. C'est petit bonne, dans ma histoire là. À cette époque, il y avait. Quand on était jeunes comme ça, il y avait deux artistes, hein, c'était Michael et Madonna. Exactement. C'était. Ouais. Voilà, à cette époque, il y avait aussi. Pour les jeunes. Ouais, il y avait George Michael, mais il y avait pour les jeunes, c'était en français, en France, c'était Goldman. Et Goldman, Madonna et Michael, ils ont arraché. Hein. Ah ouais, ils ont compris qu'il fallait être entouré de super producteurs, vraiment. Franchement, là, Madonna, To The Groove, c'est même Larry Levin, hein,
ou pas d'Asiage, qui lui donne un peu la chance de se voir là-dedans dans ce club mythique. Hein. Donc, Il y allait souvent, il y a, ouais. Il y a même. Avec Kletarin, elle, ouais. Elle a fait des shows avec des robes Kletarin. Ouais. De toute façon, sacré artiste. Elle est de New York. Ouais, exactement. Après, elle a commencé avec son premier tube, c'est Everybody. Everybody. Ouais. Ah, ça c'est super fun, ouais, ça. Ouais. C'est du fun de fou. Ouais. Jadson, alors Smooth Criminal. Ah, je m'attendais que tu allais me sortir plutôt des morceaux du label du projet Thriller. Et, bah, en fait, c'est que j'ai. Après, bon, tu sais, quand t'es avec tes parents, mes parents ils étaient Johnny à fond, donc écouter du Michael c'était un peu difficile, difficile, c'est difficile de l'entendre, et si tu chopes Michael et compagnie, c'est si tu l'entends à la radio quoi. C'est sûr. Après bon, si c'est nostalgie, à l'époque, comme ils disent, radio mort, c'est sûr que tu risques pas de l'entendre. Et en fait j'ai découvert tard l'historique de Michael. Et Smooth Criminal, c'est parce que à l'école, on l'entendait, il y avait le film qui était sorti, donc j'étais allé le voir au cinéma et tout. Ouais. Mais j'ai connu assez tard, plus tard, les morceaux. D'accord, du premier album, et même avant, son histoire. Bombad, je l'ai connu, bien sûr, parce que c'était à l'époque, 87, donc je l'ai connu. Ouais. Mais j'ai connu après tout ce qui était. Sa vie, qui faisait partie des Jackson 5, et j'ai découvert après, mais bon, c'est. C'est incroyable. Bien sûr, Black Bots, le Wild on Time, une reprise de Black Bots, de toute façon, c'est mortel. Hein. C'était Black chanteuse. Bots, En fait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'en 88 plutôt, il y a Technotronic qui avait cartonné, et après, eux sont arrivés juste derrière. Ouais. C'était terrible. Dépêche Mode. Alors ça c'est moi je pense que si on pense au même album Violator. Je suis allé les voir en concert l'année dernière. Ouais, moi aussi tiens. Et qu'est-ce que tu retiens de cet album qui est un album de fou en fait? Et puis bien sûr il y a déjà un petit nom qui arrive sur cet album, c'est François Kevorkian, au mastering tout ça. Ouais. Et des morceaux de fou, cet album Il y a de l'électro dedans. Ouais, exactement. Il y a de l'électro. Exactement. Je crois que c'est ce groupe-là, c'est précurseur de l'électro, quoi. Bien sûr. Ils ont des sons, ils font des synthés de fou. Dans l'album de 101, il y a des sons de dingue. C'est un peu. Ça passe tout seul, quoi. Bien sûr. Ça passe tout seul. George Michael. J'étais un amoureux parce que quand on faisait des soirées à l'époque, Jean-Fils, c'était toujours à la fin. On terminait la soirée par un George Michael. George Michael, Musicalement, il a une super voix. Et puis, c'est lui qui écrivait ses textes. Je sais pas si vous avez vu le reportage là. Enfin, t'as vu le reportage. D'ailleurs, qui était un peu court sur Wham. Ouais. Mais le gars. Il a fait des tournées, il a chanté, mais c'était un gamin quoi. Ah, c'est ça. Je me dis, j'ai commencé à être mature à 30 ans. Il a 16 ans, je crois. Comment on peut. Lui déjà Faire des concerts, écrire ses textes. Exactement. C'était un truc de fou. Et surtout, c'est cette amitié qu'il a de son pote, qu'il va garder très longtemps. Andrew. Ouais, un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Et musicalement, je suis d'accord avec toi, ça tue. Ouais. Franchement. Voilà, on s'est passé quelques morceaux comme ça. On va revenir sur ton parcours, donc on va le poursuivre. Donc on a parlé du Moulin Rouge, on arrive en 93. Alors là, tu dis mes premiers pas dans les magasins disques avec le mythique vendeur Masterflow, chez Number One DJ. Voilà. Donc Number One DJ, c'était un bon shop qui se trouvait rue Pochenalard, crois. C'est ça. Et il y a vraiment une sélection clubbing de fou, en fait. Et même, je les remercie parce qu'ils des fois, ils vendaient des lots pas chers et on avait des fois des tueries. Il y avait qu'un inconvénient chez eux, c'est qu'en fait, ils faisaient que de l'import. Ouais. Ils faisaient que de l'import et c'est-à-dire que tout ce qui était repressage, parce que qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, c'est-à-dire que même si on loupait un maxi, on pouvait le trouver sur un repressage, soit italien, soit français, parce qu'à l'époque, il y avait les maisons de disques françaises. Et c'était un peu l'inconvénient. Ouais. Qu'est-ce que tu achètes en fait chez Number One DJ? Qu'est-ce qui t'intéresse? Au début, tu as écouté en discothèque, tu as envie de les. Exactement. Alors, ce qu'on faisait, on sortait beaucoup. Ce qu'on faisait, on allait voir le DJ, ou soit on écoutait. Il y avait à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait Maximum, il y avait Scoop Import. Bien sûr.
Scoop Import et ouais. Émilion Mallet. Quand on sortait, on demandait les titres et puis on y allait. Au début, c'était l'Eurodance. Oui. Voilà, c'était l'Eurodance. Et puis des fois, il y avait des. Selon le feeling, il y avait des fois des trucs qui étaient moins Eurodance. Quoi. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé aussi à cette époque toute la période. CNC Music Factory. Énorme. Parce qu'en fait, c'était des artistes qui étaient incroyables. Parce qu'à l'époque, il y avait une grosse session R&B. Et voilà. Groove. Et c'est vrai qu'eux, ils sortaient des morceaux qui étaient fabuleux. Et ils faisaient des remixes qui étaient aussi fous, quoi. Exactement. Ce qui était dingue, c'est que dans une soirée, on pouvait se retrouver avec le morceau original. C'est ça. Qui était R&B groove, quoi. Ouais. Et on pouvait se retrouver dans la session dance. Avec le morceau house. Ouais, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et puis c'est des remixeurs de fou. Oh là. Alors malheureusement, la carrière s'est arrêtée quand David Cole est décédé. Il n'a pas suivi. Même s'il a fait 2-3. Il a fait 2-3 remix avec des grands DJ, comme Todd Terry, comme ça. Oui. Mais après, mm-hmm. Mais ça pas. Je pense que le moteur c'était lui. Quoi. Ouais, pas, bien sûr. Comme dans Wham, le moteur c'était George Michael. Bien sûr. Et voilà. Ouais. Et il faisait des remix de dingue, hein, après, avec des tubes. Bien sûr. Ils ont fait l'album de Mariah Carey. Ah ouais, ils ont. Music Box, je crois. Music Box, d'accord, ok. Où il y a Anytime, Need a Friend. D'ailleurs, ils avaient fait un remix, un double pack, c'est mortel. Ouais. Plein de trucs. Énorme. Je vais même vous présenter rapidement Masterflow, qui est ce. Alors, Masterflow, c'était un DJ, toujours un DJ, mais maintenant il fait de l'événementiel. D'accord. Voilà. Ouais. Je pense que c'est bien aussi, parce qu'il est resté dans sa passion. Bien sûr. Bon, après, malheureusement, je pense qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait à l'époque. C'était un précurseur, parce qu'à l'époque, il partait en Italie, à Rimini, ils allaient chercher des scuds. Carrément, la foire là-bas, c'était une foire. C'était un truc de fou. Ouais. Tous les imports, ils arrivaient là-bas, ils ramenaient toutes les nouveautés. Ils ont ramené plein d'artistes. Enfin, c'était un précurseur à l'époque. Ouais. C'était un précurseur. Après, il faut toujours respecter ses pairs. Bien sûr. C'est facile de dire moi aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont fait le boulot. Exactement. Il y a des gens qui ont fait le boulot en amont. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, s'il y a des routes, les Romains les ont tracées et avant eux, il y en a d'autres qui les ont tracées. Tu vois, c'est pas arrivé comme ça. Quoi. Bien sûr. Pas un mec qui est arrivé, Parce qu'il fallait chercher ces disques en plus, en deux ans à l'époque, il ne faut pas oublier. Il fallait chercher et puis il ne fallait pas les louper. Parce que des fois, il y avait des tirages, ils n'étaient pas réédités. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que si tu avais de la chance, t'avais la chance qu'une maison de disques française ou italienne, parce que les Italiens ils avaient beaucoup de licences, ils rééditaient beaucoup de trucs, t'arrivais à retrouver ton scud sous un pressage italien ou français, mais c'était difficile. Parce que je me rappelle à l'époque, tu l'as connu toi aussi, c'est que déjà c'était vachement fédérateur, parce que tous les DJ on se retrouvait dans les magasins de disques, c'est là, c'est comme ça qu'on se côtoyait, qu'on se connaissait, on faisait connaissance. Et par contre, c'était une vraie galère parce que quand on loupait un scud, on n'était pas sûr de rien avoir. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et ça, c'était chiant, quoi. Mm. Et puis, c'était un petit label ou un truc qui s'était pas réédité. Non. C'était pas réédité. Alors, après, on va dire que la nouvelle génération a eu beaucoup de chance. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de catalogues qui ont été rachetés. Et il y a eu beaucoup de réédites, notamment. King Suite avait réédité pas mal de trucs, Defected a racheté pas mal de labels et de licences, a réédité pas mal de choses, mais c'est vrai que c'était pas simple. C'était pas simple. Ouais. Et ce qui était difficile, c'est que aussi, c'est qu'il faut pas l'oublier, c'est que il y avait tellement de nouveautés. Ouais. Qu'on n'arrivait pas à acheter. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non. Tu vas sur Track Source et tout. Bon, déjà, il y a des trucs que tu vas jouer 2-3 fois et puis c'est rangé, du consommable en fait, on va dire.
Et à l'époque, il y avait tellement de sorties de balles de Scud. Énorme. Que t'avais, il fallait choisir parmi, ouais, parmi les meilleurs, quoi. C'est tu vois, parce que c'était. Voilà, tu sais, ouais, des fois, tu mettais de côté, tu t'arrangeais avec le. T'arrivais parce ouais, que bon, t'es quand même. Mets-moi de côté, ouais. Ouais, mets-moi de côté, ouais, vas-y. Bon, ouais, mois prochain, attends, vas-y, oh, ouais, tu sais, c'était, c'était compliqué. Non, ouais, non, mais attends, tu vas c'est pas le faire. Ouais, ouais, et du coup, ouais, c'était une vraie galère. C'est pas ouais, comme maintenant, maintenant. Ouais, c'est autre chose. C'est, ouais, c'est autre chose. Alors, ce que dit Jean Fouy, je voudrais rajouter quelque chose. Notre génération, on dirait un peu des vieux quand ouais, on parle, mais c'est vrai. On est sur la route. Hein. Mais c'est vrai, c'est que quand on allait dans les magasins disques, on avait chaque semaine soit des originaux de Kerry Chandler, Master at Work, Ron Trent. Et en plus, ils faisaient des remixes. Ouais, c'était des trucs de fou. On s'est toujours demandé comment ils faisaient pour travailler avec une telle force cadence, et cadence, ouais, et surtout des tueries. Il y a pas. Bah, il y avait un. Et puis en plus, les soirées derrière. Il y avait un reportage sur Nova qui disait ouais, ou qui disait qu'à l'époque, les maisons de disques, elles avaient tellement d'argent que ils avaient un artiste, paf, faisait un morceau et ils disaient pas. Ils avaient tellement d'argent, ils disaient pas. Tiens, on va demander à eux de le remixer. Et tu te retrouvais avec des remixes de titres improbables. Mmh. Tu dis, putain, mais c'est pas possible. Comment les Masters at Work, ils ont pu, King, ils ont pu, entre autres, ouais. Voilà, comment les Masters at Work, ils ont pu remixer un voilà, truc comme ça. Ouais. L'exemple, c'était, par exemple, un artiste aussi que j'adore, ouais, c'est Julio Iglesias. Ouais. Il avait sorti, il avait fait une reprise de Oye Como Va. Ouais, Santana, ouais. Et la maison de disques, ouais, je sais pas ce qu'il leur a pris, ouais, il leur a dit, il a filé ça au master. Putain. Et les masters ont fait un remix ouais, de Oye Como Va, qui est un truc de malade mental. Énorme. Et tu dis, mais putain, c'est un truc improbable. Ouais. Et c'est la chance qu'on avait à l'époque, c'est qu'il y avait tellement d'argent qu'ils ont dit, oh putain, vas-y, file-le à eux, ils ont fait un remix. Ouais. Et, ça marche. Et voilà. Ouais. Et pas mal de trucs comme ça qui étaient pas mal et qui étaient surprenants. Bien sûr, effectivement. 94, alors là, achat de matériel sono, platine CD, BST et table de mixage. Enfin, comment tu arrives à te dire, tiens, j'ai envie de déjà m'équiper maintenant et... En fait, j'ai fait la rencontre d'un... En fait, j'avais un ami d'enfance qui aimait la musique comme moi, qui venait avec moi tout le temps en Titan et compagnie, où on regardait les platines, on était à fond dedans. Ouais. Et quand j'ai commencé en fait à mettre un peu dans la musique, on avait un... Alors ça, c'est le truc vraiment de vieux. On avait un lecteur cassette avec un pitch. Oui. Je sais pas si t'as connu. Si, si. Ouais. Et en fait, on s'amusait à mixer ouais, avec ça. Ah, t'as comme tenté, toi. Et du coup... Bon, c'était un truc un ouais, peu artisanal, artisanal, ouais, aléatoire, ouais, vraiment, ouais, voilà. C'est et du coup, un jour, bah, cet ouais, ami m'emmène chez un ami à lui, ouais, dont après on est devenu super ouais, amis. Ouais. Et lui, en fait, il avait du matos. D'accord. Et quand je suis arrivé, pareil, j'étais étonné. En fait, son père travaillait chez, était représentant chez Toshiba. Il avait des grosses enceintes Celestion, je ne sais pas si tu connais. Non. Ce marque. Non. Ouais. Et des enceintes sono et ouais, tout, donc ça crachait. Et il avait une 1200. Oh. Et une 1300. D'accord, ah oui, d'accord. Alors, okay, je sais pas si tu vois la question. Ouais, je vois. Pour expliquer un peu, ouais, la, ouais, la 1200, bah, c'est celle qu'on connaît. Bien sûr. Et la 1300, en fait, elle avait un pitch pour les 45 ouais, et pour les 33. Exactement. Et c'est en fait, c'est le modèle d'avant, mais qui était aussi à quartz. Donc, qui était parfaite, quoi. Mmh. Sauf que le pitch, au lieu d'être linéaire, il était rotatif. Rotatif, c'est voilà, ça. Ouais. Et donc, on a commencé à mixer, machin là-bas, dans sa chambre. Il y avait, d'accord. Puis on a commencé à faire un peu de la sonomobile. Bien sûr. La sonomobile. Mmh. Et du coup, on parlait tellement du CD, du CD, ouais, du CD. Puis la technologie au niveau des lecteurs CD arrivait. Mmh. Et alors, c'était pas encore comme aujourd'hui. Hein. Mais ce qui était violent à l'époque et qui avait ouais, tenu le cap pendant longtemps, c'était les CDJ 2000. Bien sûr. Non, les Denon. 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 Ouais, ouais. Ah oui, Denon. C'était, je me rappelle plus la référence, c'était 2000, un truc comme ça. Mmh. C'était mon Denon. Ouais. Et bon. Moi, j'avais fait un mauvais choix, tu vois. Mmh. Bon, c'était comme ça. Je m'étais concentré sur le CD, ouais, pensant que le vinyle était amené ouais, à disparaître. Et c'était un double mauvais choix, mmh, parce que, bah, premièrement, tous les imports mmh, et compagnie, ils sortaient pas en CD. Bien sûr. Pas tous, du moins. Pas tous, ouais. Donc, c'était une galère pour courir après ouais, les nouveautés ou mmh, les trucs un peu underground.
Et Deuxio, j'avais commencé avec des. Ça coûtait cher aussi, j'avais commencé avec des CDJ, des platines BST ACD, oui. Qui étaient pas mal aussi, oui, mais oui, bon, bah, franchement. C'était pas les Denon. Après, j'ai acheté une Denon, et puis après, je suis passé au vinyle. D'accord, oui. Ouais. Enfin, j'ai investi dans le vinyle, quoi. Ouais. 95, alors là, je pense qu'on est tous d'accord. Pump It Up live au casino Montreux avec le mythique Mr. Mike et Jamin. Ouais. Comment toi tu arrives à capter déjà leur mythes en fait hein? Eh ben en fait ce qui s'est passé c'est que à l'époque j'étais souvent avec Karim Soudani, donc DJ K, et qui travaillait à plein de disques à l'époque. Et ils m'ont bon vu qu'on aimait bien les soirées, le son et tout, ils m'ont dit ouais tu connais pas Couleur 3 et tout et je m'en rappellerai tout le temps. Je suis donc. Il me met Couleur 3, on est dans la voiture. Ouais. Alors je sais pas ce qu'on partait en soirée ou je sais pas ce qu'on faisait. Et il y avait un morceau de dingue qui tournait à percu. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et le son il était envoûtant et un truc de dingue. Et c'était Ken Lou 3. Oh là là, le Ken Lou 3. Et il jouait Ken Lou 3 en live. Ouais. Et puis avec la mythique voix de Mr. Mike, la voix qu'il a, quoi. Sa présence, Il parlait, le mec, en américain, MC, c'était. On se croyait à New York. Ah ouais, vraiment. C'est de fou, quoi. Exactement. Et puis, les Scuds qui étaient passés à ce moment-là, c'est un truc de dingue. Ouais. C'est un truc de dingue. Alors, on parle, en fait, de Mr. Mike, en fait, dans l'interview de Rocco, de Manu aussi, parce que Manu, il a été pas mal en Suisse aussi, puis il a ses années de fou. Le MAD, tout ça à Lausanne, et Neuchâtel aussi. Ouais. Et je fais un petit exposé de Mr. Mike, hein, parce qu'il s'appelle Michael Hall, de son vrai nom. Il est né en Jamaïque, mais il grandit dans le berceau de la musique occidentale, à Londres. Après un séjour en Belgique, il s'installe en Suisse en 1987 et ne la quitte jamais. Mr. Mike a pris le pouls de la scène house music en Suisse en commençant sur Couleur 3, où il présentait tout le spectre de la musique dance, noir, funk, disco, soul, avec au côté Jamin. Si je peux me permettre, vas-y. Je crois que son nom de scène à la base c'était Mike Anthony. Mike Anthony, d'accord. Okay. Et il y a un maxi où il est comme ça. Ouais. C'est une reprise. C'est une reprise d'un tube, je me rappelle plus, mais il me semble son nom d'artiste, il était chanteur à la base, c'est Mike Anthony. D'accord, merci pour l'info. Et bien sûr, c'est l'émission en gros list, c'était énorme. Il a collaboré avec de nombreux artistes producteurs, hein, entre autres, avec son travail de Georges Morel, c'est un surprise sur ce qui résonne. Ouais. Il l'a même plusieurs fois invité. Willow, du label IBS, un super label, IBS, en termes de house music à l'époque, hein, franchement. Des perles en termes de la house, franchement énorme. Jamin était fan de Tenen Priest. Ah, c'est pour ça qu'il est venu souvent. D'ailleurs, je crois qu'il veut faire des remixes, ou il a fait des remixes pour. Il y a un set de 91, il me semble, où il invite, parce que ça a commencé tôt, hein. Ouais. Il y a eu. À peu près, je pense, presque une vingtaine d'années de gloire sur. Après, bon, ça a baissé. Mmh. Mais en 91, j'ai un mix où il invite Tony on Freeze. Et bon, là, c'est un truc de fou parce qu'on est à fond dans les sons d'Def Mix. Ouais. Ah ouais. C'était top. Nous, Couleur 3, ça nous a permis de nous éduquer sur la pure house music, parce qu'en Suisse, ils ont une culture de monstres clubs de fou, quoi. L'avantage qu'il y avait, chose que ils ont perdu maintenant, parce qu'ils sont fait bouffer par la musique commerciale et compagnie. Mais à l'époque, il y avait des artistes de fou qui venaient en Suisse, quoi. Énorme. Et c'est ce qui a permis aussi un peu à l'époque à l'ambassade. On a, avec le bypass, le premier bypass qu'il y avait sous le passage, sous-sol. J'avais sympathisé avec, à l'époque, il s'appelait Sir George. Ouais. Et on se partageait en fait les bookings. Les bookings. C'est bien. Ouais. Ouais. Et bien sûr, à la fin des années 80, Mike a enregistré un succès avec Jamin sous le pseudonyme Black and White Brothers. Put your hands in the air, c'était un peu son gimmick qu'il donnait en soirée. Un énorme succès, puis en 2000, il lance son propre label Map Dance, où il travaille avec Mousti, entre autres, et d'autres collaborations. Voilà. Et après, effectivement, on n'a plus trop de nouvelles, en fait.
Là, j'ai vu qu'il était en Thaïlande avec Albert. Albert, sacré Albert. Parce que bonjour, mon copain. Ouais, il était là-bas, il mixait dans l'hôtel où Albert se trouve. Et c'est un peu dommage parce que c'est des. C'était fou. Ouais, un DJ en Europe en plus qui avait toute la culture américaine qui était là. C'était un truc de dingue. Ouais. Comme tu dis, on mettait les soirées derrière et puis les invités de fou quoi. Donc 96, alors là c'est incroyable, tu es DJ au Moulin Rouge. Mmh. Alors explique-moi cette expérience. Comment tu arrives à. En fait, j'y allais régulièrement. Ouais. Je voulais. Mon rêve c'était de pouvoir travailler là-bas. Mmh. Après, j'ai pas pu travailler à la salle principale. Mmh. Parce qu'il y avait déjà du monde. Ouais. Il y avait Steven qui était en place. Mmh. Après Karim qui l'a rejoint. Ouais. Et du coup, il restait une salle techno qui s'appelle Galactica. Voilà. Donc j'ai commencé là-bas en jouant du techno, la techno. Ah d'accord. Et à l'époque il y avait des choses sympas. Il y avait une période acide. C'est bien, c'est pas mal. Il y avait ça, il y avait aussi cette époque il y avait la sortie de l'album Daft Punk. Ouais. Donc c'était pas mal. Mmh. Bon, c'était autre chose quoi. Mmh. Et après j'ai eu la possibilité de passer dans la salle funk, le ranch. D'accord, ok. Où là je me retrouvais un peu plus parce que c'était plus c'était plus mes sons quoi. Bien sûr. Donc c'est vrai que j'ai travaillé au Galactica en attendant une opportunité. Mais bon, je me faisais quand même un peu plaisir. Ouais, bien sûr. Parce que même dans la techno, il y a de quoi se faire plaisir. Bien sûr. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir. 98. Alors, tu es DJ au Bar Live, découverte de la station, avec un DJ qui s'appelle Ludovic Allen. Et tu mets, en fait, c'était un lieu pour toi fou. Et c'est effectivement. C'était un. Déjà, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris une claque, mais de fou. Parce que, on passe du Moulin Rouge à là-bas, c'est pas. Je vais pas cracher dans la soupe, mais t'as l'impression que c'est comme si tu passes de Lyon à Paris quoi. T'sais, c'est... Et puis la musique, le lieu était magnifique, les gens, déjà tout ce qui était au niveau la décoration était incroyable, le service de sécurité c'était tous en costard tu vois, propre tu vois, très select, c'était les gens c'était les dernières années où les gens étaient propres sur eux, faisaient attention tu vois. Et si tu veux tu rentres là-bas et puis musicalement Ludo il mettait une musique de dingue. Alors il y avait une grosse c'était une grosse période R&B. L'R&B, le groove qui cartonnait. Mais il avait réussi à instaurer à amener une sélection house. Et d'ailleurs il avait réussi à en faire un classique là-bas. C'était d'ailleurs j'avais collé quand j'avais entendu ce morceau, c'était le Night Over Egypt, le remix d'Incognito de Massos Attentat. Night Over Egypt. Remixé par Master en plus. Wow. Et le mettait, il y avait une petite intro et donc ce morceau qui a vraiment un son funk, funk disco. Et le truc c'est que il prenait quoi, donc les gens l'avaient intégré là-bas. C'était et quand ils le mettaient, c'était un phare. Exactement. Et ils faisaient des petites séries comme ça, house. Ouais. Alors après, ils étaient obligés forcément de faire des concessions. Mais quelles concessions? Van Halen, You Don't Know Me, ça va. Il y a pire quoi, je veux dire, tu vois. Mais c'était un lieu. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que il y avait que des gens propres, propres. Qui avaient envie de faire la fête. Ouais, qui faisaient la fête et qui étaient vraiment à quatre épingles. Tu vois. Et c'était du début à la fin, tu vois. C'est-à-dire que tu passes à la sécu jusqu'au client. Jusqu'au client, au dance floor, au service. C'était incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait un bout de chemin avec lui là-bas. Alors. Au Bar Live, c'était plus de la musique d'ambiance, tu vois. C'était parce que c'était un restaurant. Pour ceux qui ne savent pas, le Bar Live, c'est le 6 maintenant. Parce que bonjour à l'équipe. Ouais. Et c'était en fait c'était le Bar Live. Après, c'est passé le Millennium, le Boudoir. Le Boudoir. Et après le 6. Ouais, Brotto, tout ça. Non, après le Chouchou.
ouais. et le 6. Et donc du coup, ils avaient tout le... mes patrons avaient tout le lot. D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient le Bar Live, qui est maintenant le 6. Ouais. Ils avaient le FMK et le K, d'accord. La Paris. Ils avaient tout. Donc non, c'était incroyable. Bon, moi, vu que c'était un restaurant, je commençais avec de la musique un peu d'ambiance. Tu sais, la musique R&B, groove. Tu vois, par exemple, je mettais des trucs comme... comment il s'appelle putain, il est passé en concert il n'y a pas longtemps. Maxwell. Ah, la classe. Tu vois, des trucs comme ça, des trucs très un classieux. Peu... Et puis après, fur et à mesure que les gens avaient fini de manger, je montais. On montait au niveau son, puis à la fin je finissais house, toi, je me faisais plaisir quoi, parce que j'avais passé le... Bien sûr. Voilà. Ouais. Et bon apprentissage, hein. Bon, déjà. C'était... Ouais. Bon, après c'était pas le meilleur lieu, parce que j'étais un peu dans un placard, je me dis que c'était dans un placard. Mais puis après je montais rejoindre Ludo, et puis voilà quoi, mais c'était top. Alors je donne un grand respect et un grand bonjour à Ludovic Allen. Franchement, salut mon pote, vraiment merci parce qu'il va t'accompagner après l'ambassade en tant que résident avec Manu. On va en parler de ça en fait, de cette ambassade, parce qu'on arrive en 2000, l'ambassade. Alors, je vois que tu me fasses un petit historique de ce club rapidement. Comment est né ce club, quand est-ce qu'il est né, les différents bien sûr intervenants. Il a été recréé en, je crois, en 1994 par Hervé. C'est ça. Hein, qui lui, en fait, on en parle avec Rocco et Manu. Lui, il a dans sa tête, en fait, vraiment un club, un club boudoir vraiment à l'américaine, avec un super son, quelque chose de très 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 classe, et surtout il a une exigence aussi musicale. À Lyon, dans ces années-là, c'est un truc, c'est une révolution quand même. C'était l'endroit. Il y avait pas grand-chose, quoi. Je veux dire, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien grand-chose. Et du coup, c'était un truc super select, avec une belle déco baroque, vraiment basé sur new-yorkais, musique new-yorkaise, voilà. À l'époque, il y avait un Spock et un sacré DJ. Exactement. Moi, je ne l'ai pas connu, je suis arrivé après. Donc il y a Spock qui a mixé, et puis apparemment c'était un tueur, un mec qui avait aussi qui avait la main. Il avait la main, il avait la culture house garage vocale de fou, une collection de fou. C'est rajouté après Manolo, qui a eu aussi qui a fait pas mal de super mix avec lui. Mais c'est vrai que moi Spock, c'est vraiment lui qui va amener vraiment cette culture. C'était le Saint-Antoine, Saint-Antoine, d'accord. D'ailleurs, Hervé était directeur au Saint-Antoine. Ah, d'accord. Okay. Et en fait, c'est parti avec le patron du Saint-Antoine qui a investi, qui a acheté le lieu, et c'est parti comme ça en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Donc une boîte incroyable, même dans sa construction, on en parle tous avec Rocco, c'est une boîte dans une boîte. Ouais, c'était la première boîte sur Lyon qui a eu des vrais travaux d'insonorisation. Des travaux qui... coûteux pour l'époque, mais aujourd'hui ça serait encore plus un truc de fou à réaliser, bien sûr. Alors toi, comment tu arrives en fait dans l'histoire de l'ambassade en fait? Tout simplement, moi j'étais plus dans le moulin, les boîtes extérieures. Ce qui s'est passé, c'est que en étant avec Ludo, il me dit viens, on va bien, je t'emmène quelque part, et il m'emmène à l'ambassade. Quand je débarque à l'ambassade, alors je connaissais déjà Rocco, parce que Rocco, on se croisait, comme je disais, dans les lieux fédérateurs comme les magasins de disques, on se connaissait et tout. Et j'arrive dans ce petit lieu où je pense que cette sensation toutes les personnes qui ont dû y aller la première fois, ça a dû leur faire. C'est quand la porte du sas, elle s'ouvre, le bouffe qui te... C'est ça. Te prend comme ça, et puis surtout quand t'es dans le sas, tu t'attends pas qu'il y ait du bruit, tu te dis putain, il n'y a pas de bruit, quoi, parce que la porte elle sonorise bien le truc, et quand tu ouvres la porte, elle est là, tu prends tout tout dans la gueule, quoi. Et du coup, je regarde, j'entends du son garage, tu vois, house de fou, et je vois Rocco qui est en train de mixer, tu vois, t'es à fond et tout, tu vois. T'es plus jeune aussi, c'est pour ça. Rocco. Et je dis, putain, je suis là et je colle, quoi. Je dis, putain, mais c'est quoi ce lieu, quoi? Je dis, putain, on n'est pas à Lyon, quoi. J'ai l'impression, tu vois, d'être téléporté soit en Suisse ou, tu vois, aux États-Unis, quoi, tu vois. Et de ce fait, après, j'y retourne et tout. Et puis,
Et puis après, c'est Manu qui était résident là-bas. Et puis, bah, de temps en temps, le club se portait mal et ça marchait pas. Donc de temps en temps, bah, on lui trouvait des dates. Alors, il avait des dates à l'extérieur. Une petite, c'est important pour Hervé. Hein. Hervé va vendre la boîte à un autre propriétaire. Ouais, c'est ça. Hervé. Hervé va vendre l'ambassade. Tout est nickel. C'est-à-dire le son est nickel, la boîte est nickel. Tout est bien visité pour faire un super club. Le second propriétaire va reprendre le club. Et toi, tu arrives à prendre troisième position. On a passé la grande ambassade. Voilà. Ah, oui. On a coupé l'épisode, mais... bien sûr. Ouais. L'épisode de la grande ambassade. Bon, c'est un épisode effectivement où l'ambassade va se délocaliser. L'ambassade en fait qui est Joseph Gillet en face de l'Ouest. En face de l'Ouest, ouais, donc vraiment. En fait, c'était le Globe en fait. Le Globe, voilà, merci. Exactement, salle de concert mythique. À côté de l'Odéon. À côté de l'Odéon, qui aura aussi une histoire aussi avec l'ambassade aussi. On en parle aussi avec Rocco, hein, donc n'hésitez pas à regarder l'interview sur cette période assez trouble. Bon, vu qu'on revient sur ces faits, fait, ils ont tellement connu de succès. Ouais. Parce qu'il y avait toutes les stars qui descendaient, qui venaient à Lyon et compagnie, venaient à l'ambassade et tout. Ils ont tellement connu de succès qu'ils ont voulu s'agrandir. Quoi. Ouais. Et c'est là qu'ils ont fait l'opération de partir racheter le Globe et se mettre au Globe. Sauf que sur les retours que j'ai eus de tout ce que les gens ont pu dire, voilà, c'est qu'en fait le club n'était pas, à la hauteur de l'ambassade dans le deuxième. C'est-à-dire qu'au niveau déco, au niveau son, au niveau lumière et tout le reste. Voilà. Et puis forcément, quand tu passes d'une capacité de 100 personnes à 500, c'est compliqué. Et après, ce qui a joué dans leur défaveur, c'est que c'était l'époque du Fiche et de la station. Ah oui, station, c'est vrai. Donc ils se retrouvaient avec deux gros, surtout le Fiche, qui était, qui était une grosse institution pendant des années. Bien sûr. Et ils se retrouvaient avec deux requins, deux gros poissons de taille, et puis ça n'a pas matché. Quoi. Ouais. Puis surtout là-bas, tu pouvais pas te garer, il fallait te mettre à moitié sur sur la bordure. C'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Moi, je me rappelle de l'inauguration parce que à l'époque, Sean travaillait avec moi au Moulin Rouge, était serveur, et il me dit ouais, il avait pris ses places pour Little Vega. Ah, Vega, effectivement, qui fera qui le Superfly en plus. Hein. Ouais, qui faisait l'inauguration là-bas. Ouais. Voilà, à l'époque. Bien sûr. Et après, je pense que Rocco, il a dû raconter, mais il avait. Il avait scotché Rocco et plein d'autres parce qu'il avait joué en white label le Braxton. Ah, le Braxton, The Braxton Balls. Et qui a un remix incroyable. 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 Ouais. Et voilà quoi, la petite anecdote. Et puis bon, après, ils sont retournés à l'ambassade au Stella. Au Stella. Ouais. Bon, ça n'a pas marché. Il a vendu donc à un autre propriétaire. Et puis c'est là que moi j'ai récupéré ce propriétaire-là. D'accord. Après, tout n'était pas nickel. Nickel. Il n'y avait plus de clientèle. Ouais. Le son était en sale état. Donc il a fallu un peu. Investir. Fallu tout remettre un peu. Ouais. Ce qui était plus difficile en fait, c'est de ramener du monde. Bien sûr. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Hein. C'est-à-dire pas de réseaux sociaux. La communication, c'était du fly. Les indices ou du bouche-oreille. Voilà. Et puis c'était. C'était autre chose. Ouais. Tu as mis, en fait, je me rappelle à l'époque, en résidence, Manu et Ludovic. Non, c'était Ludo. C'est Ludo, ouais. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a tenté le coup d'ouvrir du mercredi au dimanche. D'accord. Waouh. Et le dimanche, ça marchait pas, quoi. Ouais. Ça marchait pas. Et puis, je sais pas, le dimanche, avec des cassos. Ouais. Des cassos, des gens un peu bizarres. Ouais. Voilà. Et donc, ça n'a pas marché, on a arrêté. Mmh. Et puis, je me sentais un peu. Je voyais que Manu, il n'avait pas de. Ça m'avait un peu embêté de lui enlever le pain de la bouche. Quoi. Mais bon, moi j'avais plus de feeling avec à ce moment-là avec Ludo, on avait travaillé ensemble, on avait parlé de ce projet ensemble. Donc du coup, j'avais pris Ludo.
Et puis après, j'avais insisté pour filer un soir par semaine. D'accord. À Manou pour résidence. Ouais, tous les mercredis en fait. Pour je vais pas dire dédommager, mais pour qu'il se retrouve avec un petit gig. Après, bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Mais donc, il s'était retrouvé à faire les mercredis. Mmh. Et puis après, Ludo est parti à Mykonos. Ouais, c'est ça. Et quand Ludo est parti à Mykonos, c'est là que j'ai proposé logiquement à Manu la résidence. Quoi. D'accord. Et c'est ce que j'expliquais dans un truc que je te disais que j'ai pas mis en ligne, c'est-à-dire officialiser mon départ de l'ambassade. Faut pas se faire des fausses idées dans le sens où c'est pas Manu qui a fait que l'ambassade a cartonné. C'était en fait c'était une équipe. Parce que ça serait un résumé faux et trop facile de dire que c'est Manu. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui Manu c'est un super artiste, c'est un super DJ. Moi j'ai jamais vu un DJ comme ça de ma vie. Quand je dis ça, je pèse mes mots, j'ai passé 23 ans avec lui. Mais quand tu fais un DJ qui travaille 4 soirs par semaine et qui ne te passe pas la même programmation, c'est-à-dire que sur beaucoup de DJ que j'ai connus, et les gars, ils vont toujours passer les mêmes morceaux. Tu vois ? Voilà. Et le gars, il a une culture musicale qui est incroyable. Et le gars, sur 4 soirs par semaine, il va pas te passer. La prog, c'est pas la même. Non. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais un autre mec et tu le ramènes. Et voilà. C'est un truc de fou. C'est vrai. Et si tu veux, avec Manu, avec Sean et moi-même, que ce soit Manu, Sean, eux, ils ont contribué, si tu veux, quand il fallait aller démarcher, flyer. Voilà, ils étaient là. Tu vois, on a fait ce boulot ensemble. Et si tu veux, cette réussite, ce qui a fait qu'on a réussi à faire décoller le truc, c'est grâce à un travail d'équipe, tu vois, avant tout. Tu vois. D'accord. Parce que ça serait prétentieux de dire que ça vient de moi ou que de Manu, tu vois. Et c'est cette alchimie qui a fait que ça a pris, tu vois. Et du coup, la première année a été très compliquée. C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais fermer. Parce que c'était dur, c'était dur financièrement, c'était dur. Et du coup, ça a commencé à partir. Et du moment où ça a commencé à partir, on a pris des risques aussi en faisant des artistes. Bien sûr. Ça a pris quoi. Oui, donc après, de fil en aiguille, on a commencé à faire d'autres artistes un peu plus. Longtemps. Un peu plus gros, un peu plus. Après, c'était toujours eux qui décidaient aussi. C'est parce que le souci, c'était la négoce. Ouais. Pour expliquer, le mec, c'est un ricain, tu lui dis fais un effort, la boîte a fait 100 personnes, les mecs. Ils mixent dans des dance floors avec des gros systèmes son les mecs ils comprennent pas quoi tu vois. Alors il y a des mecs qui jouaient le jeu et ça c'est cool donc voilà quoi. Donc le premier artiste on va dire qu'on a fait c'est le DJ Deep. Ouais, mais c'est en résidence je me rappelle. Et c'est le premier qu'on a fait. C'est le premier. Donc d'ailleurs en plus ça s'est mal passé parce que il y avait eu des histoires avec l'ancien propriétaire et du coup il était resté sur une appréhension. Après moi j'avais jamais reçu d'artiste donc aussi il avait commencé un peu à tiquer parce que tu vois il me demandait un retour. Ouais. Et à l'ambassade il n'y a jamais eu de retour. Effectivement, il n'y a jamais eu de retour. Il n'y a jamais eu de platine CD. Ah oui, d'accord, oui. Il y avait une platine CD mais pour mettre des compiles, quoi. Donc du coup il avait commencé à faire un peu la gueule, se braquer parce que Cyril il est comme ça. Donc j'avais ramené une enceinte à moi, tu vois, et j'avais mis un retour, donc après c'était passé. C'était pas une soirée exceptionnelle. Ce qu'il y avait juste d'exceptionnel, c'était son set. Je l'ai encore d'ailleurs, c'était la seule chose qui était exceptionnelle. Et pareil, je vous dis, en parenthèse, mon premier interview avec Cyril, c'est grâce à toi, et c'était même ce même soir. C'est un mec, il construit son mix. Bien sûr. C'est un couturier du
c'est ça. C'est un chirurgien des mix, ouais, vraiment. Ouais. Donc effectivement, dans ce, moi je voulais te, vraiment te remercier parce que c'est toi qui me présentes à Cyril et après on fera l'interview, voilà. Mais effectivement, ouais, donc premier DJ Deep qui est là. Ouais. Après, il va enchaîner. Ouais. Pouh, alors, après l'anecdote, c'est que on part avec Sean à c'était expérience extra record. Ouais. Nicolas. Ouais. Salut Nico. Et on part à Extra et puis à l'époque, bon, on kiffait bien les Basement Boys. Ah, ouais. Et puis on écoute un scud qui sort et tout. Alors, je sais plus c'était lequel exactement, mais on achète le scud et tout. Puis on revient, puis on dit. Putain, si on essayait de faire DJ Spen et tout, qu'est-ce que t'en penses, machin, ouais, bah, et puis, bon, moi, je parlais pas anglais, et Sean, il parle anglais, et du coup, je lui dis, au culot, il dit, bah, ouais, t'as, viens, on appelle la maison de disque. Ouais. Et à l'époque, ils avaient, parce que c'était une autre époque, hein, ils avaient vraiment un gros bureau, tu vois, à Baltimore. Ouais. Tu vois, avec des secrétaires, le gros truc, tu vois. Ouais, label, parce qu'à l'époque, ça marchait bien, quoi, ouais, discret, tu vois. Et au culot, il appelle. Alors, tu sais, il appelle et tout. Il dit oui, je pourrais parler à Sean Spencer. et du coup, il lui passe. Non. Ouais, il lui passe, tu vois. Donc, il parle à Spen. Putain. Et il dit ouais, on a un petit club, il commence à lui faire la déballe et tout. Et puis il lui dit ouais, ça vous dirait pas de venir, il essaye de le faire venir comme ça. Et alors moi, tu sais, j'étais derrière, j'ai dit ouais, dis-lui ça, tu sais. Et du coup, pour la date qu'on lui proposait, il n'était pas dispo. Ouais. Et donc Spen lui dit bah, si tu veux, j'ai un jeune qui est bien, Charisma, ouais. Il est top et tout, essaye-le, nanana. Et il nous propose Charisma. Waouh, Christopher. Ouais. Et ouais, pourquoi pas. Donc c'était un peu un casse-tête parce que d'ailleurs à l'époque il y avait plein de. Je sais pas si, pour ceux qui ont connu le quartier à côté de l'ambassade et tout, il y avait plein de d'agences. Ouais. D'agences de voyage. Ouais. Il y avait un truc à Amérique, je sais pas quoi, destination Amérique, un truc comme ça et tout. Donc en fait, c'était galère parce qu'en fait, elles n'avaient pas l'habitude, les femmes, si tu veux, de cette agence, parce qu'on prenait les billets à l'envers. D'accord. Dans le sens où on met à disposition un billet à New York, tu vois, France. Ah, okay. Ah, oui. Tu vois, ah, ouais. Normalement, c'est l'inverse. Ouais. Ouais. Tu prends un billet pour aller aux États-Unis et pour revenir. Ouais. Quoi, tu vois. Et on s'arrangeait, on avait réussi à. On faisait au mieux pour trouver des billets, tu veux, pas trop chers, quoi, tu vois. À l'époque, c'était pas trop cher. Ouais. Tu réussissais à trouver 300 euros, tu vois. Oh, ouais. Et du coup. On a fait ce truc-là. Ouais. On a réussi à. On l'a booké, puis c'était pas énorme, c'était 800 dollars. Oh, ouais. Et du coup, il est venu. Ouais. Et quand il est venu, c'est des anecdotes, des choses que j'oublierai jamais, c'est que il est venu, on a fait énormément de monde. D'ailleurs, il y a Clément Bonelli. Oui. Salut Clément, qui mixait au KGB. Mm-hmm. Et il nous avait ramené du monde, tu vois. Et il y avait eu tellement de monde qu'avec Manu, on s'était retrouvé. Ah, c'était des banquettes un peu baroques, oui, tu te rappelles, ouais. On s'est retrouvé à sortir les banquettes dans l'allée pour gagner de la place, quoi, tu vois. Et bon, c'était un truc de fou. Alors il faut savoir un truc aussi, c'est qu'à l'époque, il ne mixait pas super bien. Ouais. Voilà. J'ai pas trop de souvenirs, je sais sur c'était pas le seul, hein. Ouais. C'était pas le seul. Je pense qu'après, ces DJ-là, ils ont tellement tourné. Bien sûr. Après, tu vois, c'est le métier, quoi. Oui, tu vois, c'est ça rentre après, ouais. Ah, c'est comme si tu vas de plus en plus à la muscu, voilà. Normalement, tu vois, enfin voilà quoi, des chances, ou tu sais, voilà. Ouais. Et du coup, il mixait pas super bien, ouais. Mais il avait ce côté fou, ouais. Lui, il était très pumping, ouais. Tu vois, ouais. Il avait ce côté fou, puis il avait des scuds de dingue, tu vois, voilà quoi. Et du coup, c'est pour ça que cette anecdote elle me marque, c'est qu'on avait donc c'était blindé, mais un truc de fou. Et le lendemain, il était là parce que il était obligé de partir dimanche, tu vois, pour le billet, tu vois. Et le lendemain, il y avait personne à l'ambassade, personne. C'était le truc. L'ascenseur psychologique, tu vois. Carrément. Ouais. Tu as pleuré, quoi. Ouais. Tu dis putain, tu vois, voilà, quoi. Et du coup, c'était encore les débuts. Et puis après, petit à petit, on a commencé à
tu vois, à faire notre clientèle, à prendre un peu de place. Tu vois. Est-ce que tu commences à avoir des partenariats avec, par exemple, Paris, pour rentabiliser un peu tous ces bookings? Pas tout de suite, ça arrivait après. Après, on a commencé en fait avec la Suisse. Ah, d'accord. Je te disais, des clubs. Ouais. Et après, on en a fait pas mal avec le June. Ouais, d'accord. Avec le June, ouais. Là, c'était pas mal. Mmh. Et on a fait, on a fait des DJ de fou, quoi. Ouais, de ouais. Cite-moi trois anecdotes de fou. À l'ambassade, trois DJ qui t'ont. Ouais. Ou en. Que tu as vécu une soirée de fou avec eux en fait, de la prise en charge jusqu'au set. Alors il y a une soirée qui était mémorable, c'est celle qui me vient le plus rapidement, c'était Danny Krivit. Ah oui, c'était blindé, j'ai même fait un malaise. C'était blindé, ouais. Et c'est surtout qu'on a fini à 9h30 du matin. Ouais. Et c'était super bon enfant, c'était mortel. Et en fait, lui, pareil, on l'avait partagé avec la Suisse, mm-hmm. avec Lysanders, passe le bonjour. Et c'était chaud parce que, si tu veux, Lysanders, c'est un mec qui est vachement rigoureux, il voulait que tout soit nickel, tu vois, pour Danny Krivit, machin et tout. Total, et si tu veux, ils nous avaient fait un listing de ce qu'il fallait et tout, machin et tout. Et bon, on n'avait pas trop respecté le truc, quoi. Et il est arrivé, il nous avait gueulé, il nous avait gueulé dessus et tout, machin. Tu vois, ça avait été un peu tendu, tu vois. Alors, j'avais été obligé d'appeler, je sais pas si c'était Rojdi ou je sais pas qui, parce qu'il manquait un filtre, tu vois, un truc. Ah oui. Alors, je sais plus qui c'est que j'avais appelé, je sais pas si c'est Rojdi ou Jean-Jacques, je m'en rappelle plus. Ils nous avaient ramené le filtre, donc ça avait apaisé le truc. Et du coup, ça avait été une soirée de psychopathe. Psychopathe dans le sens où, au niveau ambiance, musicalement, c'était... voilà. Et puis, il y a un truc aussi qui était fou, c'est que cette soirée, elle s'était passée au mois de juillet. C'est-à-dire qu'après, si tu veux, quand les années ont passé, si tu veux, avec l'ambassade, juillet, tu t'aperçois que c'était un mois, c'est devenu un mois de merde parce que tu veux, les gens partent en vacances, tu vois. Et là, il y avait vraiment du monde, c'était mortel, quoi. Et on avait des photos improbables où on avait rigolé avec, avec plein de gens qui étaient là à ce moment-là, où le daron, Wilfried, Victor Nova, DJ Duke, plein de gars, c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc de fou, c'était une sacrée anecdote. Et après, le lendemain, ils partent en Suisse. D'accord. Je crois que c'était le lendemain ou un truc comme ça, où le lendemain, ils partent en Suisse. D'accord. Voilà. Et c'était une anecdote, c'était un truc de fou aussi. Incroyable. Tu vas citer une petite anecdote aussi avec Tommy Bustos, est-ce que tu veux la citer ou... Tommy Bustos, disons que c'était le patron du label Suburban, un label de fou. Et avec Victor Simoni, ils avaient fait des trucs de dingue, c'était un truc de malade, quoi. C'est clair. Et du coup, il avait voulu faire la fête et il a pas pu faire le set, quoi. Donc avec Rocco, on avait été obligé de le ramener dans sa chambre. Et puis je sais plus qui c'est qui avait mixé. Parce qu'il avait pas pu faire le set. Et le set, il l'a fait le lendemain, quoi. C'était un truc de dingue, quoi. C'est incroyable. Il y a eu plein d'anecdotes. Après, elles me viennent pas comme ça toutes. Il y a eu des bons moments, des trucs. Il y a eu une anecdote où la première fois on réussit à faire Chandler, il y a eu une Aline. Ouais. C'est une soirée de malade. Alors Chandler, c'était un truc de fou. Ouais. On a passé un super moment. Après, ce qui est dommage, c'est que quand il est venu, il a fait l'effort financier pour venir. Après, c'est un truc qui est plus possible, malheureusement. Ouais. Et pour plein d'autres d'ailleurs. C'était un truc de fou. C'était un rêve éveillé, quoi. Carrie Chandler, quoi. L'anecdote, c'était comment il s'appelle, un gros DJ. Alors, je vais utiliser une anecdote pour Carrie Chandler, c'est que moi,
je tiens à remercier Léa, Lisa et Fred qui pour mon anniversaire me dit bah écoute tu vas mixer avec Thierry Chandler à Toulouse et le lendemain il jouait bien sûr chez toi à l'ambassade et donc on a passé un jour et demi avec Thierry, un truc de fou en fait comme tu dis, quelqu'un de très accessible, très gentil et j'ai pris le train avec lui pour aller en fait à pour l'amener sur Lyon et puis en fait en bas des escalators se trouve Jean-Phi et Jean-Phi me fait bah, qu'est-ce que tu fais là, je suis avec Thierry, il fait ouais mais arrête de rigoler mais moi j'attends Thierry et en fait Thierry descend, il fait ah ouais, bah, ouais j'ai joué hier avec Thierry tout ça, non toi et j'étais après tu t'es occupé de Thierry, il y a un truc de fou en fait, il avait fait un super set aussi à l'ambassade effectivement t'as une anecdote aussi avec Tim et Régis Ford. Ouais. Ouais, donc, et donc en fait, il faisait des soirées dans ces clubs sur c'est trois bien. Étages, des trucs de fou quoi. Ouais. Des trucs de fou. Ouais. D'ailleurs, sur le site internet, il te montrait en 3D le club. Ouais. Et c'est un truc de dingue quoi. En plus, c'est des horaires de fou. Hein. Et quand il rentre dans la boîte, il éclate de rire. C'est ça. Non, il rentre dans la boîte comme ça et puis il fait. C'est l'entrée. Non, il fait. Elle est où l'autre salle? Et Manu lui dit bah c'est tout là. Et il éclate de rire, tu sais, il éclate de rire et dit mais. Genre c'est. Ouais. Non, c'est pas vrai, tu vois. Ouais. Et bon bref. Ouais. Et c'était. C'est vrai. Et bref. Et c'était ouais. C'était une belle soirée aussi. Il est venu, je crois, deux ou trois fois. Ouais. Et surtout, il nous avait permis aussi d'approcher Quentin Harris. Ah oui. C'était son protégé. Ouais. Quentin Harris qui était très très fort. Il avait des rythmiques. Ouais. Très fraîche. Ouais, c'est vrai. Et c'était aussi une belle soirée. Ouais. C'était une belle soirée. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure en ambassade aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté toutes ces années-là? Ces 20 ans Ce que je retiens, c'est que en tant que DJ, ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir réaliser ce rêve d'inviter les mecs que tu écoutes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Malheureusement, tu vois, j'aurais adoré, c'était dans mes projets, faire Frankie Knuckles, tu vois. Ah. Malheureusement, voilà. Parce que c'est le père de la house, tu vois. Bien sûr. Et lui et David Morales, que j'ai aussi, j'ai kiffé, je kiffe toujours hein, d'ailleurs, j'ai kiffé pendant des années. Ils ont fait un duo. Death Meat, c'est. Ouais, ils ont fait un duo de malade. Ouais. Et du coup. Ce que je retiens, c'est que j'ai pris de vraiment du plaisir. Ouais, vraiment du plaisir. Malgré les risques financiers, t'as quand même. Ouais, mais après, tu vois, c'est celui qui se lance pas. Si tu prends pas de risque, tu fais rien. Ouais. Tu vois, voilà. Après, on essayait de faire en sorte. De le faire le vendredi parce que le chiffre d'affaires était plus bas le vendredi que le samedi, tu vois, pour essayer d'équilibrer. De perdre au moins, tu vois, le moins possible, tu vois. Mais après, on essayait de le faire avec des fréquences un peu éloignées, tu vois, on essayait de. Voilà. Mais c'était vraiment le kiff, quoi. Ouais. C'est de pouvoir inviter des mecs que tu kiffes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Je sais pas, le mec qui kiffe Mylène Farmer, il l'a fait venir dans son truc, ouais. Quoi, c'est clair. Voilà, quoi, c'est un kiff. De fou. Hein. Ouais. Je me rappelle, il y avait. J'attendais le moment où ils prenaient les manettes, voir les gens, comment ils allaient réagir, ça m'excitait, tu vois. Ouais. J'avais le palpitant à fond, tu vois. Toi, tu sens l'adrénaline, tu vois, le truc. Qu'est-ce qu'il y a à nous faire? Toi, ils t'attendaient qu'ils prennent en place. Alors, des fois, on venait me parler, je dis attends, laisse-moi le regarder prendre son set, et après, c'est bon, tu vois. Et c'était magique. Eh bien, écoute. Je tiens à vraiment te remercier du fond du cœur, Jean-Phi. Vraiment, parce que tu fais partie vraiment de l'histoire de la house à Lyon. Je sais pas si c'est à ma conscience, en fait. Mais avec, bien sûr, Hervé, après, qu'on va citer aussi, et puis l'ancien propriétaire. Mais vraiment, entre la prise de risque, les invités que tu nous as offerts, et bien sûr, et ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu n'as jamais oublié les locaux. Tu parlais entre de DJ Duo, tu parlais aussi de Chris Fader. Tu es toujours à cette ouverture house, hip-hop, voilà. Tu nous as même offert, Jean-Jacques et moi aussi, pas mal d'opportunités à jouer avec Daos Amélie. Donc, du fond du cœur, merci, hein, franchement, pour tout ça. Bah, c'est moi qui vous remercie. Après, c'est vrai que le côté guest et compagnie, c'était.
c'était la cerise sur le gâteau. Mmh. Après, c'est clair que les locaux, bah, il faut aussi que la musique s'exprime, tu vois. Et il y a quand même des bons DJ, tu vois. Et puis, il faut chaque DJ apporte, tu vois, sa couleur musicale, son son, quoi, tu vois. Tu vois. Mmh. Toi, t'es plus dans un son deep. Voilà, il y en a d'autres qui vont être plus pumping, ou il y en a, ils vont être comme ton ancien associé Jean-Jacques ouais, ou ouais. Patrick, bien sûr. Sous le full, tu vois. Ouais. Après, moi, c'est mon avis à moi, il faut pas trop être spécialisé, ouais. Parce que tu vas vite faner les gens. Bien sûr. Ouais. Et ce que je voulais, c'est que, tu vois, le week-end, sur la fin, on n'avait pas de problème à remplir, tu vois. C'était plus dur au début de semaine, oui. Donc c'est pour ça qu'on s'est ouvert, entre guillemets, tu vois, à une musique. Je dis pas qu'on faisait de la merde, c'est pas ça. C'est qu'on faisait un autre style différent. Équilibrage, voilà. Des courants. Le mercredi, l'hip-hop s'apprêtait. À ce jour-là, on a fait du hip-hop. S'il avait fallu faire, je sais pas, du R&B du Roman Bass ou des trucs, tu vois, pas tout est mauvais, tu vois. Après c'est la sélection qui est importante, tu vois. La sélection. Et moi je pense qui est important, moi quand je mixe, c'est ce que j'essaye de ressentir, c'est l'échange avec les gens. C'est-à-dire que pour moi le DJ qui vient, qui fait son set, qui s'en bat les couilles, tu vois. Non, il faut qu'il y ait un échange, tu vois. Bien sûr. Tu vois, parce que tu arrives à sentir le public, ouais, tu vois, que ça kiffe. Après, t'essayes de les tenir, tu vois, Détenir le dance floor, le machin, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, tu vois. Parce que mixer pour mixer, et puis autant mixer dans ta chambre, tu vois, ça sert à rien. Tu sais, il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange, en fait. Tout à fait. Et s'il n'y a pas cet échange, tu vois, c'est. Bien sûr. C'est pour ça que, tu vois, je suis pas trop bar. Mixer dans un bar, tu vois, où les gens ils sont là, ils se regardent dans le coin de l'œil et tout. La musique, elle est que un prétexte presque. Tu sais, tu veux pas dire que tu mets une compil, c'est pareil. Tu vas pas ressentir l'échange, tu vois. Que sur un dance floor, tu vois, les gens ils vont kiffer, tu vois, ils vont danser, tu vois. Tu vas faire en sorte que, tu vois, le groove soit là, quoi, tu vois. Et voilà, c'est tout. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire ? Je voulais vraiment saluer toute ton équipe. On va saluer Shan. Franchement, merci Shan. Raoul. Ça a été une belle vitrine. Une belle vitrine. Et puis un personnage aussi atypique. Ouais, bien sûr. Comme tous les gens dans ma salle. C'est ça. Patrice, aujourd'hui, qui j'ai vu, était physio aussi. Et puis donc on a la chance d'avoir eu un club. À la fin du mois, il y a Spina qui vient à l'ambassade. Donc une date à ne pas louper, je vous le conseille. Ah, Spina, un sacré DJ. Lui aussi, il fait ce que j'aime bien dans cet artiste, c'est qu'il fait partie un peu de générations comme les CNC. Il fait autant du hip-hop, des remixes un peu hip-hop. Et autant la house, de fou. C'est ce qu'on aime, en fait, dans un artiste comme ça, qui est vraiment multicarte. Donc on retrouve tous les renseignements de l'ambassade, sur 4 rue Joseph Stella. Stella. Voilà. Donc allez-y. Jacques Stella, donc dans le deuxième. Vous avez le site internet que je vais mettre tout de suite en explication. Et puis on salue bien sûr Manu, Ludovic, qu'on a cité. Et puis Le Mood. Merci, bien sûr, au Mood. Merci au Mood. Bien sûr, Olivier et toute son équipe de nous avoir reçus. On se retrouve dans une prochaine émission. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Moment Sillon. Ça permet de redynamiser et puis de recevoir des artistes de fou qui ont des parcours incroyables. Et puis, à une prochaine émission. Merci pour tout. À bientôt. Salut. Merci, Jean-Philippe.